L'entrepreneuriat jeune se porte bien, ça devient de plus en plus une idée pour les jeunes d'entreprendre. Ils vont plus forcément directement vers le salariat et pour nous c'est obligatoirement un point très, très positif. Au sein du MOVJ, on les accompagne au travers d'un programme de mentorat. C'est une mise en relation entre un entrepreneur expérimenté et un jeune entrepreneur. Ils vont être suivis pendant un an par cet entrepreneur expérimenté qui n'est pas de leur secteur d'activité. Il est d'un autre secteur d'activité pour pouvoir garder un recul. C'est un bénévole qui va donner du temps pour ces jeunes. Et au-delà de ce programme d'accompagnement qui est suivi par environ 150 jeunes par an, on organise aussi un prix. C'est dans ce cadre aussi qu'on a créé le hashtag Génération Entrepreneur. Un prix qui va mettre en lumière 20 entrepreneurs et porteurs de projets qui vont porter aussi pendant un an toutes ces valeurs de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ça a tendance à progresser à Paris, mais aussi en région, puisque en 2015-2016, le MOVJ a ouvert des antennes à Lyon, à Toulouse et à Nantes en janvier dernier, donc là il y a quelques semaines. Donc ça aussi, ça nous ravit de voir que les jeunes demandent aussi de plus en plus à être accompagnés, ils savent ce qu'apportent les accompagnements et on a aussi des perspectives pour ouvrir vers d'autres villes. Et d'ailleurs, notre concours est national et c'est comme ça qu'on arrive à montrer que l'entrepreneuriat, c'est pas simplement trois Parisiens dans un garage qui ont envie d'aller un peu plus loin dans leur projet. Alors la remise des prix aura lieu le 12 avril et le concours, ils ont jusqu'au 2 mars pour déposer leur candidature.